Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, ça y est, on a Air False. On a eu plein de péripéties. Donc on devait prendre un avion de Grand Sudbury à Toronto, de Toronto à Winnipeg. On a raté l'avion de Winnipeg à cause des intempéries. Du coup, on a dû rester dans un hôtel qui nous a coûté une blinde et demie. Ensuite, on a réussi à venir ici. On a galéré à avoir la nouvelle voiture. Comme vous pouvez voir, c'est ça la nouvelle voiture. Alors elle est super dégueulasse. Elle est pas cassée, hein. Mais elle est super dégueulasse. Bref, en gros, on a eu plein de péripéties. Mais ça, si je commence à vous le raconter, ça va durer 15 minutes et ça va pas vous intéresser. Là, aujourd'hui, on va vous montrer Air False. Du coup, ça va pas durer 40 ans non plus, les gars, on va pas se mentir, la ville est petite, il y a moins de 1000 habitants, en plus il commence à faire nuit, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire. Là il y a le camion un peu américain, ici il y a des grosses voitures, et bref, du coup c'est parti, on prend la voiture et puis je vous montre tout ça dans la voiture parce que il fait moins 25 là. Là tu vois mes mains, j'ai mal, bref, vas-y, let's go. Du coup les gars, voilà, je vous montre rapidement notre motel. En gros, c'est un motel, les gars, c'est pas un hôtel. Donc, à la base des bases, tu restes ici une ou deux nuits. Nous, on sait pas combien de temps on va rester. Et on est pile ici. Voilà, on voit pas mon doigt, mais on est pile ici. Du coup, let's go. Là, on va partir. C'est parti. Donc, pile à côté du motel, bah, on a le garage, en gros, le mécano de Air False. C'est lui qui répare toutes tes voitures, hein, soyons clairs. Bon, il doit pas avoir beaucoup de voitures à réparer. Première grande ville d'ici, je crois qu'elle a 1h30 à peu près. Donc voilà, c'est un petit peu galère. Désolé, mais le carreau, il est super dégueulasse. En plus, il y a un très beau coucher du soleil là-bas. Donc là, les gars, ça y est, je vous ai emmené directement au centre-ville. Donc ici, on a la poste. Voilà, la petite poste canadienne. Ici, on a un truc, c'est Whitson Fine Food. C'est en gros, c'est la supérette, la seule supérette d'ici. C'est vraiment le seul endroit où tu peux t'acheter de la bouffe. Ici, c'est le seul restaurant qu'il y a à Air False. Café et bistrot. À côté, on sait pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. C'est en gros, c'est un fourre-tout. Et pareil ici, c'est un fourre-tout. C'est n'importe quoi ici. Bon, ici, les gars, attendez, je vais essayer de vous zoomer rapidement. Hop. Ici, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, les gars. Donc, si tu te fais couper les wads, c'est ici qu'il faut que tu viennes. Mais bon, on va pas se mentir que si, même si je suis très mal, je pense que je viens pas là. Ici, c'est la seule école de Air False. Bon, enfin, je sais pas c'est quoi comme école par contre. Ça doit être genre pour les tout petits ou un truc comme ça. Ça doit pas être un collège ou un lycée, ça doit vraiment être école publique, ouais, mais ça montre rien, quoi. Et du coup, bah, après, on va se perdre. C'est tout simplement des rues avec des maisons. Alors, il y a des gens qui ont des très belles maisons. T'as d'autres personnes qui ont des maisons un peu plus éclataxes. Genre, celle-là, elle est stylée. J'aime bien. Je suis pas sûr que ça soit une maison, si. Si, c'est une maison. Bon bah voilà les gars, on vous a montré tout Air False. Alors oui, c'est vrai que la vidéo elle dure 3-4 minutes. Je sais même pas combien de temps elle va le durer, mais ça va être très court. Mais je vais pas vous mentir qu'à la base des bases, je m'attendais quand même à que ce soit un peu plus grand, ou même que les villes autour soient un peu plus grandes et qu'il y ait quand même quelque chose à voir ou à visiter. Mais là, à part vous montrer 20 000 fois le même lac gelé, mais de 3-4 points différents, bon, on va pas se mentir que ça va pas vous amuser tant que ça. Et pareil, il y a des grandes villes, enfin, il y a des micro-villes à côté, mais pareil, il y a rien à faire non plus à part voir des lacs gelés, c'est un peu compliqué. Du coup, les vlogs à partir de maintenant, ça va être chaud. C'est possible qu'il y ait pas des vlogs toutes les semaines parce que il faut que je trouve des trucs à vous montrer, parce que si c'est pour vous montrer toujours la même chose, bah, c'est compliqué. Du coup, j'espère quand même que vous avez kiffé cette toute petite vidéo. Et puis, je vous dis bah, à plus tard pour une autre vidéo, tout simplement. Ciao !